dit merveilleuse? Non, je voulais dire à peine réveillée. Salut à tous nos fans. Ici Stella. J'espère que vous allez bien. Voici nos stars lors d'une matinée comme les autres à Gardénia. Qu'avez-vous de merveilleux au menu aujourd'hui, les filles? De merveilleux toasts à la confiture. Je voudrais d'ailleurs porter un toast à cette émission, sans vouloir en faire une tartine. Quoi? Ça se dit en faire une tartine, non? C'est quand on en fait un peu beaucoup et... Apparemment, l'humour n'est pas un de vos talents, Tecna. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez toujours vous améliorer. Et maintenant, je vous propose d'en découvrir un peu plus sur nos dénicheuses de talents. Bloom est la meilleure colocataire dont on puisse rêver. Et c'est également une grande artiste. Très joli, ce chien. C'est un cheval. Musa est toujours d'un grand soutien et très encourageante. Pour vous donner un exemple, elle m'inclut toujours dans toutes ses activités. Je vais mettre le feu ce soir et mettre le feu demain. Oui, sur scène, je vais tout donner. Allez, Bloom, suis le rythme. Tecna essaye de prendre le ballon, mais Layla est trop rapide pour elle. Elle feint d'aller à gauche, pivote sur sa droite et oui, elle est passée. Ouh, ah, et voilà. Salut tout le monde, c'est Stella. Moi j'adore la mode, tout particulièrement... Désolée, on peut la refaire? Moi j'adore la mode, tout particulièrement... La mode, c'est ma grande passion, grâce à ma super machine à coudre portable. Salut super machine à coudre. Tiens, Stella, ça va? Flora est timide, mais elle adore faire le mannequin et porter mes créations. Vous connaissez maintenant toutes les stars de WOW! Nous avons une chanteuse, un chef, une athlète, une créatrice de mode, un génie de la technologie et une artiste peintre. Applaudissons bien fort les stars de notre émission! Il est temps maintenant de suivre les Wings alors qu'elles se préparent à aller dénicher des talents! Je pensais mettre ma robe verte ce soir. Youhou! C'est par ici que ça se passe! Attendez! Il me faut la tenue parfaite! Quelque chose de stylé et de pratique pour poursuivre le voleur de talent! Enfin, je veux dire, pour dénicher de nouveaux talents! Passons tout en revue encore une fois. Règle numéro 1. Nous faisons cette télé-réalité pour pouvoir sauver les jeunes terriens du voleur de talent. Règle numéro 2, nous n'avons pas le droit d'utiliser la magie devant les gens ou devant les caméras de télévision. Règle numéro 3, si jamais quelqu'un découvre que nous sommes des fées, toute notre mission sera fichue. Je sais.